Coucou à tous, alors vous allez voir ici un petit vlog, vite fait, en direct des vacances, quand j'étais en vacances, donc on avait été dans un petit camping au bord d'un lac, donc j'avais emmené un peu de matos pour un peu pêcher, voilà, et c'est expliqué, hein, donc grosso modo, hein, si tu veux pas t'emmerder, t'as 10 minutes où je blablate, où il n'y a pas de poisson, mais j'explique les stratégies, où je suis, pourquoi, comment, machin, et après t'as quelques petits poissons, là j'ai pas tout filmé, j'ai pas filmé tous les jours, mais bon, grosso modo, j'ai fait une quarantaine de poissons, à la bonne vieille cuillère, voilà, et au petit pn principalement, et surtout j'ai utilisé l'ensemble purlure Dancer, Creek Dancer BFS et Micro Monster de chez Kingdom, je crois, ouais, c'est ça, avec une dresse en 02 PE. Et franchement, je me suis éclaté sur des leurres de 2-3 grammes. Ça se lance super bien. Et j'espère que vous allez prendre un peu de plaisir. Voilà. Donc le début, si tu veux pas entendre moi parler, bah, tu changes. Mais vers 10-12 minutes, tu as les 4-5 poissons que j'avais en direct, que j'ai pris sur deux sessions. Et toute petite surprise à la fin, où je pense que j'ai dû harponner quelque chose ou quelqu'un m'a harponné. Voilà. Mais bon, j'ai rien pu faire. Ça. Voilà, hein, j'ai spoilé. Allez, je vous laisse. Ciao. Coucou à tous. Alors, petit vlog en direct des vacances. Donc, on est dans les Langues. Lac de Souston. Camping de Souston. La Payotte, pour être précis. Et 6h30 du mat. On me dit, ouais, t'es en vacances à 6h30 du mat. Ouais, mais c'est mon rideau, donc moi je suis là, et surtout je suis avant tout le monde. Parce que là on est en fin de vacances, deuxième semaine, le mercredi. Et donc pour pas être embêté, parce que je vous imagine pas qu'ici c'est quand même une certaine pression de pêche, on va dire ça comme ça. Et bien c'est pour être tranquille au moins une demi-heure, je viens 6h30 pour le petit coin du camping qui donne, on va dire, le rideau. Fraîche en fait ici. Donc le sol est un étang qui est très peu profond, 2 mètres maximum. Les arrivées d'eau avec d'eau fraîche, c'est à dire qu'ils chauffent rapidement. D'eau fraîche, c'est des coins qui sont quand même très privilégiés, qui apportent de l'eau fraîche et qui permettent aux poissons de se caler. Donc moi je suis arrivé ici tranquille et mis plein d'espoir. J'ai emmené les cannes, brochets, black bass. Et puis des petites tuelles. Bon. Et puis je connaissais pas, hein, je suis jamais venu. Et puis force, voilà, il faut être clair. On est en vacances, je vais pas passer imposer à ma famille non plus d'aller à la pêche. Des demi-journées entières, comme ça, on passe le temps en famille, enfin, voilà. On préfère. Et du coup, le plus simple, c'est de pêcher ici. Donc ici, il faut s'adapter à ce qui est pêchable. Donc. Le plus qui permet de toucher les poissons, c'est ici les perches. Voilà. Clairement, depuis le début de vacances, j'en ai fait plusieurs dizaines. Des perchettes aux perches 20, 25 au maximum pour le faire. Je sais qu'ici il y a d'autres types d'espèces, d'autres types de tailles. Pour l'instant, elles ne sont pas dans ce coin-là. Si vous imaginez ici, c'est juste énorme la taille du bordel. Donc il y a plein de pontons, tout ça c'est hyper pêché par les gamins, c'est souvent les zones des nuits là-bas, c'est la pâte aux joueurs, on appelle ça, les gamins s'amusent et tout, c'est hyper pêché. Les gens viennent pêcher aussi la carpe, et c'est un étang si réputé pour la carpe, et ça marche plutôt pas mal parce qu'on a vu quelques-uns se en sortir. Donc le but du jeu, c'est de déterminer qu'est-ce qui marche, ce qui fonctionne. Mon petit Nicolas, qu'est-ce qui fonctionne? Bah, ce qui fonctionne en fait, c'est deux choses. Ce sont des tout petits PN avec des bavettes très petites, profondeur
Il nage 1 mètre maximum. Toi, il y a déjà quelqu'un là-bas. Profondeur de nage 1 mètre maximum, voire 30 ou 50 cm pour éviter de s'accrocher parce qu'il y a quand même de l'accroche au fond. Il y a quand même de l'accroche au fond. Donc, si tu es sur du leurre souple, des choses comme ça, faut le laisser planer au-dessus du fond. Faut pas aller au fond. Enfin, faut pas aller au fond. Tu peux aller au fond, pas de problème, mais tu vas te récolter. Tout simplement. Des feuilles de partout. Donc, petit veine ou ben, ce qui passe aussi au-dessus et qui fonctionne, le traditionnel cuillère. Cuillère. Donc, j'en ai déjà perdu quelques-unes. Hein. Donc, là, je suis avec la black. Une noire avec des points jaunes. Bon, je suis pas sûr avec le temps qu'il fasse là. Pas de soleil encore. Le soleil n'est pas sorti. Que ce soit César qui fasse réagir. Je suis même pas sûr du tout. Donc on ira passer au petit PN. Et dans les couleurs, c'est qui a vraiment marché. Genre, vous avez fait un carton. Déjà, c'est quand tu arrives sur les chasses, bien sûr. Là, ça va être assez calme. Il n'y a pas un fluff. Il n'y a pas une chasse, là. Alors, en tout cas, ça me permet de mettre à l'épreuve le petit combo BFS là. Donc Gun Creek Dance Travel M80, c'est une, je sais jamais, un 7 grammes. Et le moulinet Monster de chez Micro Monster de Kingdom PE02. Donc c'est ça qui, c'est le seul bémol de ce combo. C'est un PE02, elle marche très très bien. Vous voyez qu'on a des lancers de 10 mètres sans aucun problème, sans trop d'efforts. Mais c'est une PE qui est très fine, qui est très bonne, qui est très, entre guillemets, très, très ronde, très lisse, pas de soucis. Par contre, elle casse relativement facilement. Dès qu'il y a un nœud ou quelque chose, elle casse. Donc, soit un moulinet BFS, on met très peu de bobines pour éviter de l'alourdir, justement, la bobine. Donc là, on est à la fin, on commence déjà à voir il y a déjà quelques mètres qui ont été cassés. Et bien sûr, ce matin, on va faire 0 poisson. Bon, on va faire un peu de tri. J'ai pas eu encore un jour de capot. Voilà. Donc on va essayer en faire en sorte qu'il y en ait pas. Quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est des endroits ultra pêchés toute la journée. Leur souple, je vois beaucoup de leur souple. Des petits PN. Alors, j'ai essayé, hein, j'ai tout essayé. J'ai essayé les grands PN de 50, des cranks de 60, les bruiteurs, pas bruiteurs. J'ai essayé les lames vibrantes. Qu'est-ce que j'ai essayé encore? Oui, j'ai essayé en source face, jerk. Voilà, petite attaque là-bas. Donc je disais oui, petit dommage pour la. Qui en fait s'emmène assez rapidement. Enfin, s'emmène non. Casse assez facilement et quand on a des fois fait un peu des perruques, pardon, un nœud peut être fait, tu tires dessus, ça fait claque. Donc j'ai déjà perdu, parce que l'existence d'un nœud, quelques cuillères. Normalement ça fait bon. Donc souvent ils attaquent dans tes pieds. Voilà. Elles attaquent dans les pieds. Et ouais, vraiment dans les pieds. Elles suivent et puis elles se décident au bord. Donc là, tu vois, il y a déjà des petits nœuds de raccord parce qu'il y a eu des cassures quand même assez loin. Donc c'est possible que.
La couleur qui marchait le mieux, c'était la bronze. Couleur bronze, là j'avais fait un carton. Et plutôt des jolis spécimens. Là, 25. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a ma de pêche. Qui est non loin, là, sous ce ton. Et donc, c'est pas mal attachant. Les mecs sont assez sympas. Bon, évidemment, ils te disent que c'est la pêche miraculeuse tous les jours ici. Ce que je pense que pas le temps. Mais bon, voilà. Ce que je voulais dire, en fait, l'objet de ce blog, c'était s'adapter à ta pêche. Au milieu, est-ce que tu peux faire? Donc, si tu veux, tout ce qui est. J'ai ramené, hein, les boîtes. Le petit bait, des leurres à brochet. Et puis en fait du bord, j'avais pas. Il n'y a pas les postes en fait. Hein, y a, vraiment il y a des trucs énormes, il y a des belles roselières, il y a des. Vraiment des trucs, mais ça faut que tu aies de bateau pour y aller. Je crois qu'ici, depuis le bord, c'est les perches qui sont là, c'est clair. La carte sont là. Mais on va changer un peu en PN, on va mettre du PN. Pas l'impression que ça les fait réagir ma couleur là. Et comme on est en deuxième semaine, la première semaine j'ai fait un véritable carton. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de pêche à cet endroit là. Et là petit à petit, là, les gens sont venus, sont arrivés, des pêcheurs, hein, parce que je pense que c'est un camping qui est privilégié pour les pêcheurs. Donc je pense qu'il y a pas mal de. Ouais, là, tu vois, il y a déjà une personne au ponton là-bas, une personne là-bas. Et on va se faire un petit coup de lame avant de passer au PN. Petit coup de lame, petit coup de lame. On fait une petite lame vivante comme ça. J'ai des suivis sur ces trucs-là, mais pas encore de touche. Pas encore ni de touche, ni de poisson, forcément. Mais tu vois des petits crans comme ça, je te montrerai après. Là, c'est vraiment une histoire de sortir. De vous raconter un peu mes vacances. J'ai pas filmé toutes les sessions parce que c'était. J'avais pas envie, c'est les vacances. Là, ce matin, je me suis dit, allez, j'emmène la caméra, je vous raconte ça. On passe un petit moment pour raconter un peu ma stratégie. Ce qui se passe, évolution. C'est si bon ça. Mais là tu vois, faut juste essayer de la faire passer au-dessus des obstacles, donc canot haute. Oups, non. Donc là par contre, c'est une blette de 5 garçons. Petite perchette. Voilà. Pardon ma belle. Ouais, c'est des petits poissons tranquillos. Ça c'est la version petite taille. Belle nageoire, bien rouge. Voilà. Du coup, c'est la première lundi mai. J'ai pas mal de touches de décroche. Voilà. De ce côté, elle va partir à Colombale. Voilà. Allez, parti. Canard.
en direct. Changement gagnant. Petite perche avec l'argenté. L'orange ne va pas marcher, l'argenté très fort. On a changé de stratégie et on a fait une petite perche. Je vais prendre. On s'est mis au PN. Ouais. On va se tâcher de couler le bec là pour le coup, mon chéri. Je t'ai cloué le bec. Pins. Alors ça va, même en triple, on arrive en général bien à aller. Bien les sortir. Sauf quand des fois, c'est comme ça, ça a dépassé beaucoup de chair. Voilà. Allez, ça va. Ça va. Alors là, tu vois, j'ai pas beaucoup de fils dans la bobine. Si je sors un poisson là, ça intéresse d'être un petit parce que je vais t'emmerder. On va quand même bien serrer le frein parce que vous voyez. Quoi faire, hein. Oh. Oh super. Oh la belle perche. Oh super. Oh, je sais pas si c'est une perche, ça doit être un bloc base d'ailleurs. Oh putain, plus j'ai en direct. Ah c'est un bloc base. Excellent. Mon premier bloc base. Un tout petit, un bébé. Allez, viens, chouchou. Ah ben non, vraiment, j'ai pas mis les couilles. Voilà. Voilà, ça va ravigoter, là. Bah lui aussi, il a vécu une sacrée vie, lui. T'en voulais, là. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Oh, cool. En Alsace, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de blockbass. Petit blockbass de... Voilà. À la cuillère, alors ça, j'aurais jamais cru, tu vois. Qu'est-ce donc ? Les petits pépères ? On va arracher. On va prendre une photo quand même. Une première.
Un petit d'Arbas. 25. Qu'est-ce donc? Il est mieux comme tout, quoi. Allez. Voilà. Oh putain, cassé! Oh la vache! Oh voilà, j'ai plus rien faire. Là, je sais pas ce qui a pris. Le machin, une vraie fusée.